Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Merci à Bosuka Musica pour son retour fracassant sur la scène musicale gabonaise. Félicitations pour ce chef-d'œuvre. Félicitations particulièrement à tous les membres et sponsors de cette pléiade de jeunes talents que j'ai eu l'occasion de connaître lorsque j'étais encore au Gabon. Salutations au passage à mon petit frère Yves Epada, à Patrick Moduko Matassa et aux autres membres du groupe Bosuka Musica. Voilà, ce sont des Gabonais qui restent attachés à leurs valeurs ancestrales. Merci, disais-je, de me recevoir chez vous ce soir. Je sais que vous êtes occupé. Demain, certains vont reprendre au travail. Mais c'est important souvent que nous communions parce que notre société africaine va très mal. J'ai appris hier ce fait divers qui s'est passé au Cameroun. Et comme vous le savez, le Cameroun, c'est un pays qui compte beaucoup pour moi. J'ai transité par le Cameroun avant d'être en exil, aujourd'hui dans l'Hexagone. Et je suis donc de près l'actualité qui se passe là-bas. Parce que c'est mon deuxième pays. Et si je dois voir ma famille, c'est dans ce pays-là que je dois rencontrer ma famille. Donc, ce qui se passe là-bas me touche parce que nous sommes aussi reliés les uns les autres. Ce qui me fait mal doit vous faire mal. Ce qui nous fait mal doit faire mal aux Camerounais, doit faire mal aux Congolais, doit faire mal aux Centrafricains, doit faire mal aux Maliens, aux Burkinabés, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Guinéens et à tous les autres de nos semblables. J'ai appris qu'il y a eu un drame à la suite d'un mariage. Je n'ai pas cherché le dernier développement dans la journée parce que j'étais occupé. On a parlé des décès en cascade à la suite d'un mariage. Et les premières hypothèses qui ont été avancées font état d'un empoisonnement collectif. Empoisonnement qui, selon les premières informations, aurait été commandité par une ex du marié. Et on a appris même que le marié et la mariée seraient parmi les personnes décédées. Peu importe les détails de ce qui s'est passé. Mais les faits sont là. Déjà, ça devient récurrent en Afrique. Ça devient récurrent chez nous en Afrique. Vous savez, quand je parle du Gabon, je parle aussi du Congo. Parce que ce qui se passe au Congo, se passe au Gabon. Ce qui se passe au Gabon, se passe au Sénégal, ça se passe au Mali, mais surtout, surtout en Afrique centrale. J'ai un grand regret aujourd'hui. C'est de constater que en Afrique, toutes nos valeurs s'effritent. Toutes nos valeurs ancestrales s'effritent. Il y a des femmes déjà qui commettent une grave erreur. Des femmes qui commettent l'erreur de penser que toute relation mène au mariage. Non, c'est une erreur. Toutes les relations ne mènent pas au mariage. Toutes les relations ne mènent pas au mariage. Pourquoi? Parce que il y a des partenaires qui se retrouvent incompatibles pour une vie de couple. Il y a des partenaires qui se trouvent incompatibles pour une vie de couple. Parce que soit l'autre est très violent, il y a des bagarres en permanence, et vaut mieux se séparer que d'aller au mariage parce que ça peut conduire au mariage. Au drame plutôt. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois mariés, ils ont
le droit de vie et de mort sur les autres, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc, dès le départ, quand vous constatez des incompatibilités graves, où vous ne pouvez pas passer une journée sans vous bagarrer, sans vous palabrer, parfois autant arrêter. Parce qu'il y a des comportements incompatibles. Il y a des gens qui ne changent pas leur nature. J'ai l'habitude de vous dire que celui qui naît, rond là, ne meurt pas pointu. Celui qui naît rond ne meurt pas pointu. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Si on prend sur la base des premières informations par rapport au drame qui s'est passé au Cameroun, cet homme a épousé une femme. S'il a épousé une femme, ça signifie quoi? Ça signifie que il a trouvé plus de complémentarité, plus de compatibilité avec cette femme-là. Et il a dû laisser la deuxième, la concurrente de celle qui a été épousée. Mais à partir de ce moment, quand on te laisse, tu laisses tomber. Pourquoi chercher à éliminer les autres parce qu'on t'a mis à l'écart? C'est devenu une propension en Afrique. À chaque fois que une personne est lésée, tue l'autre. Personne n'a le droit de vie ou de mort sur l'autre. Même ton propre enfant que tu as mis au monde, et pourtant tu l'as conçu avec ta compagne ou ton compagnon, tu n'as pas le droit de vie et de mort sur cet enfant. Si tu le tues, tu fais la prison et généralement c'est la perpétuité. C'est la réclusion criminelle à perpétuité. Parce que tu n'as pas le droit de vie et de mort en disant c'est mon enfant, je peux le tuer. Non. Quand l'enfant vient au monde, il devient la propriété de la société. Tu ne peux plus faire de ça. Donc, même ton enfant, tu n'as pas le droit de vie et de mort sur lui. Mais ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Pourquoi cette propension à vouloir éliminer parce que... Mais si cet homme a choisi cette femme, c'est parce qu'il a trouvé qu'elle était meilleure. Il y a eu une erreur que les gens ne comprennent pas. Seule la beauté du cœur retiendra l'homme. Seule la beauté du cœur retiendra l'homme. Vous pouvez être 10 en compétition. L'homme retiendra une seule. C'est ceux qui ont, celle qui aura montré sa différence par rapport aux autres. Les fétiches que vous pouvez prendre là, vous pouvez aller voir le marabout, vous pouvez voir le pasteur pour qu'il prie pour vous, pour qu'il il vous demande de lui apporter une photo, une chemise sale ou un sous-vêtement, et ça ne tiendra pas. Parce qu'il manque quelque chose en vous, c'est la beauté du cœur. Le fétiche seul ne suffit pas pour préserver un homme. Je suis désolé, il faut que vous le sachiez. Un oiseau ne vole pas avec une seule aile. Un oiseau ne vole pas avec une seule aile. Donc parce que tu te dis que je suis bonne au lit, puisque c'est, généralement c'est comme ça que vous... Ou bien parce que vous avez de grosses fesses, vous êtes une calpiche. Vous pensez que c'est ce qui va retenir l'homme? Non. Vous trompez. Détrompez-vous. Lorsque tout au long de votre période d'étude de complémentarité et de compatibilité, passez une période. Et vous, les femmes, déjà, il y a une chose. J'accepte mon message sur vous. Ce n'est pas que je suis contre vous, non. Parce que vous êtes les piliers de la société. La femme a cette force extraordinaire, je l'ai dit l'autre jour, de changer la société. Lorsque vous mettez avec un homme, pendant cette période de complémentarité, là, d'esprit, de
de compatibilité, tout ça. Déjà, la première erreur que vous ne devez pas commettre, c'est l'homme que vous rencontrez aujourd'hui, il vous parle déjà du mariage. Je vais t'épouser. Parfois, il ne te connaît même pas, il dit, je vais t'épouser. Mais méfiez-vous. Est-il sincère? S'il est sincère, d'accord. Mais est-ce qu'il est sérieux? Parce qu'un homme sérieux ne peut pas venir vous dire, il ne vous connaît même pas encore, même pas au lit. Il ne vous connaît pas. Et il vient de vous dire, non, je vais t'épouser, il ne te connaît même pas encore. Mais il y a problème. Et puis tu commences à dire, oui, je suis la plus belle. Ah bon, tu es plus belle par rapport à qui? Tu es plus belle par rapport à qui? À toutes les femmes qu'il y a dehors là. Nous les hommes, on voit des choses. Un homme qui ne te connaît pas, il te dit déjà, bon, je vais t'épouser, tu seras ma femme. Mais sur quelle base il te dit ça? Est-ce qu'il est sincère? Ok, s'il est sincère, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'un homme sérieux peut promettre le mariage à une femme qu'il ne connaît pas encore? Puisque dans toute chose, il y a des étapes. Parce que le danger aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens se marient, comme je l'ai dit l'autre jour, par mimétisme. Parce que ta copine s'est mariée, tu veux te marier. Mais avec quelle qualité d'homme? Quels sont les fondamentaux? Le mariage, c'est une œuvre. C'est une construction à suivre. On ne tombe pas du ciel. Le mari ne tombe pas du ciel, comme je le vois dans certaines églises, où il y a des gens qui ne savent pas courtiser une femme. Ils ne savent pas compter fleurette à une femme. Donc il va à l'église facilement. Et puis il va dire, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Et puis tout d'un coup, toi aussi, tu te mets à sourire. Moi, je vous parle d'un exemple. Vous le savez, j'ai été longtemps chef du service fait divers et justice. Quand j'étais à l'Union, j'ai couvert un fait divers d'un homme qui était à l'église. Il a dit à une femme, Dieu m'a dit que c'est toi, ma femme. Et la femme, comme aussi à l'église, il y a beaucoup de désespérés, vous le savez très bien. Elle cherchait un mari et tout de suite elle a dit, ok, je suis partante pour qu'on se marie. Mais sauf qu'à l'église, il y avait le principe de fornication. Faut pas sortir, faut pas commencer à avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc le pasteur qu'ils appelaient papa, il a organisé tout le mariage à la va-vite. Et puis, bon, le mariage a été fait. À grand renfort de publicité, à grand coup de cymbales, à grand coup d'argent. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la lune de miel à la pointe des Nids. Vous connaissez la pointe des Nids, c'est à 30 minutes de la traversée de Libreville. S'il y a des mineurs, hein, vraiment retirez-vous de la page parce que je vais aller un peu plus bas là, je vais dire des choses clairement. C'est interdit au moins de 18 ans. Donc, le couple est allé en lune de miel à la pointe des Nids. Le gars était pressé de connaître sexuellement la femme. Donc, aussitôt après le dîner du soir, le gars, elle a dit, chérie, on rentre, on regagne notre chambre. Ils sont partis dans la chambre. Et le nom de l'hôtel va me. Je vais m'en souvenir. Hein, j'ai quelques petits troubles de mémoire, mais le nom va revenir. Voilà, l'hôtel à Sala. Je ne sais pas si ça existe encore. Ils avaient pris une belle suite à l'hôtel à Sala, à la pointe des Nids. Et arrivé là-bas, le gars était tellement pressé. Donc il a dit à la femme, il a commencé à caresser la femme. Et puis il a éteint la lumière. La femme a dit, non, mais pourquoi tu éteins la lumière? Tu n'as pas éteint la lumière. Oh non, je n'aime pas, ça me brûle, ça me fait mal aux yeux. Tu sais. Donc, cet homme avait un anaconda. Son troisième pied, c'était un anaconda. Pas le vrai serpent, mais par le diamètre, c'était un anaconda. Et lorsque la femme a touché
Elle s'est rendue compte que même son bras, ce doigt-là, n'arrivait pas à faire le pourtour. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Elle a dit, je vais me soulager. Et quand elle est allée sous la douche, il fallait trouver un motif. Et elle a menti. Elle avait peur d'affronter cette anaconda. Elle est venue dire à, oh chérie, vraiment, désolé, on est malchanceux. Parce que mes menstrues sont arrivées. Elle a eu peur. Elle est obligée de mentir à l'homme que mes menstrues sont arrivées. Parce qu'elle a senti que ça là, c'était pour la bousiller. L'homme était tellement tendu, il dit non, mais on peut, même comme ça, on peut aller, et puis tu vas te laver. Ah, la femme a dit, ah non, chez nous, ça ne se fait pas. Tu as tout le temps, tu m'as déjà épousé. Pourquoi es-tu si pressé? Pourquoi es-tu si pressé? On attend dans 4-5 jours. Et du coup, ils sont partis vendredi. Samedi, non, ils sont même plus restés. Le gars était énervé. Il a dit, bon, on repart. Et quand la fille est venue, elle est allée voir le pasteur. Elle est allée voir le pasteur pour dire, ah, pasteur, ça là, je ne peux pas. Oh. Pardon. Ça là, je ne peux pas. J'ai encore envie de faire des enfants. Je ne peux pas. Ça là. J'ai essayé d'attraper comme ça là. Même les doigts ne se touchent pas. Quand j'ai fait, je ne peux pas. Le pasteur a dit non, ça irait avec le temps, même avec l'hygiène. Elle a dit pardon. Elle a demandé le divorce. Elle a dit, moi je dis, elle n'est plus allée rester chez l'homme. Hein. Donc, vous voyez un peu la légèreté. Vous voyez la légèreté. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se sont rencontrés sur la base de bon. Dieu m'a dit, c'est toi, ma femme. Ils ne se connaissent pas. C'est pourquoi les gens qui disent qu'on va se marier avant de se connaître, là. Moi, je ne suis pas pour ces principes. Hein. Parce que si vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte qu'il y a une incompatibilité. Parce que qu'on se dise les vérités. La sexualité a une place prédominante dans l'équilibre du couple. La sexualité a une place prédominante dans l'équilibre du couple. Absente, elle devient une entorse pour le couple. Donc, première erreur, quand un homme vient vous dire que non, je t'aime, je vais t'épouser, mais sur quelle base tu ne me connais pas? Ne commencez pas à dire que maintenant tu es un blagueur. C'est que tu promets le mariage à tout le monde. Je connais quelqu'un qui promettait le mariage à toutes les femmes en France. Et après, il a feinté presque tout le monde. Donc, maintenant, lorsque vous franchissez cette étape, lorsque vous franchissez cette étape, vous vous rendez compte que sur le plan sexuel, il y a la complémentarité. Maintenant, il va laisser la complémentarité des cœurs. Et c'est ça le plus primordial. Vous pouvez être complémentaire sexuellement, mais avoir des incompatibilités d'humeur. Et là, ça devient bon, il faut harmoniser. Pourquoi? Parce qu'il y a soit une personne qui fait l'orgueil, qui ne sait pas faire profil bas. En général, chez nous en Afrique, on dit la femme reste en bas et l'homme en haut. Ça veut dire quoi? C'est que la femme fait profil bas. Parfois la même raison, mais elle sait faire profil bas pour sauver son couple. Mais or, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On remarque que des femmes, en général, elles deviennent des rivaux de leurs compagnons. Mais comment veux-tu? Tu te comportes en rival de ton mari. Il sort, tu sors. Il découche, tu découches.
où tu fais ce que tu veux. Tu voyages, tu ne préviens pas. Tu vas, tu sors, tu vas voir les parents, tu ne dis rien. Tu penses qu'avec ça, il va t'épouser? Pourquoi il va épouser? Parce qu'il n'y a pas pire prison. Il n'y a pas pire prison que le mariage où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de fidélité. La fidélité, c'est un idéal aussi. Mais vous écoutez vos coachs. Je vous ai dit l'autre jour, nos mamans n'avaient pas de coachs. Mais elles étaient de bonnes épouses. Nos mamans n'avaient pas de coachs, mais elles étaient de bonnes épouses. Comment? Parce qu'elles écoutaient les conseils. Parce que quand elles quittaient, elles se mettaient en couple avec un homme. L'homme devenait le père et la mère. Mais tu n'écoutes pas ton homme. Tu fais ce que tu veux. Tu es rebelle. Tu es montré que tu es émancipé. Mais comment veux-tu que l'homme t'épouse? Il va chercher une. Parce qu'il n'aimerait pas avoir une qui va lui amener une femme qui va lui amener des ABC. Ça, c'est ce que vous oubliez. Vous pensez qu'il suffit d'avoir des grosses fesses? Il suffit d'être une tigresse au lit? Que ça suffit? Non! On a dépassé ce stade. On a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, c'est la beauté du corps. Seule la beauté du corps retiendra l'homme. Celle-là qui a, qui, si c'est elle vraiment, qui a empoisonné tout un repas, tout un buffet, vous pensez qu'elle va vivre? Et même si elle réussit par la magie de sortir de la prison demain. Et si vous pensez que cette femme-là mérite un foyer, mais elle a un mauvais cœur. C'est qu'elle a un mauvais cœur déjà. Elle ne peut pas, ce n'est pas un cœur qui peut retenir l'homme. Et ça prouve justement que cet homme avait raison de ne pas la choisir, de choisir une autre. Vous ne vous posez pas de questions. Comment se fait-il que tu es là, par exemple, tu es la première. Tu vis avec un homme. Et puis il va épouser la dernière qui est arrivée. Posez-vous des bonnes questions. Ne voyez pas que les fétiches. On prend souvent des raccourcis chez nous en Afrique. On aime prendre des raccourcis. On pense que si l'autre a été choisi, c'est que ce sont les fétiches. C'est ce qu'on pense. Arrêtez de prendre des raccourcis. De penser que si on a choisi l'autre, c'est qu'elle a fétiché. Non. Mais si on a choisi l'autre parce qu'il est de même ethnie que le compagnon, c'est faux. Les époques ont considérablement évolué. Les mentalités ont évolué. Nous ne sommes plus une société endogamique. Non. Essayez de revenir à nos fondamentaux. Faire demi-tour ne donne pas de modérés au Margouya. Faire demi-tour ne donne pas de modérés au Margouya. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on est sorti complètement de la piste. On est sorti du sentier, de la route tracée par nos ancêtres. Vous pensez que vous connaissez mieux, même quand les mamans vous donnent des conseils, vous vous en foutez. Et c'est une erreur. Et vous posez la question, vous êtes belle, vous êtes une tigresse au lit. Vous avez un travail, mais vous n'avez pas d'homme. Vous avez fait quoi de l'homme que Dieu a mis sur votre chemin? Vous avez passé le temps. Même quand il y a la discussion, vous êtes la première à aller attraper l'homme comme ça pour vouloir vous battre contre l'homme. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous ne savez pas ce que l'homme a subi dans la journée. Quand il rentre le soir chez lui, il a besoin d'un peu de paix. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui l'accueille par une agressivité. Je vous dis souvent, moi j'ai été chez les pygmées
et chez les Michoacos. J'aime ces deux peuples-là. Vous savez, les Pygmées, les Michoacos, les Gissir ont toujours une histoire commune. Quand vous allez à Sindara, vous allez trouver les Gissir, vous allez trouver les Michoacos et même les Pygmées. On a une histoire commune. La beauté de la femme dans ces trois sociétés-là, je ne sais pas dans les autres sociétés, mais la beauté de la femme incarnée par la lune. Elle est incarnée par la lune parce que la lune ne brûle pas. La lune, c'est la douceur. Mais ce qui incarne la femme, c'est la douceur. Une femme douce obtient tout de son homme. Une femme douce obtient tout de son homme. Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez. Mais quand tu joues le rebelle, tu n'écoutes pas l'homme, tu fais ce que tu veux. Même si tu te manques quelque chose, le gars va te regarder. Si tu n'écoutes que tes parents, tu as un projet, au lieu de parler d'abord à ton homme, tu vas parler, tu appelles ton parent pour parler à ton parent. Mais il va te dire, bon, va. Même s'il ne te dit pas son vêtement comme ça, mais son comportement, il va dire, va. Moi, je le ferai. Je dis, bon, alors que ses parents puissent l'aider. Or, quand tu souffres seul, les parents ne sont pas là. Parce que les problèmes de cœur, on les subit seul. Ce ne sont pas les gens qui vous donnent des mauvais conseils. Hein. Oh, ne reste pas avec tel. Oh, c'est rigolo. Oh, il n'a pas une bonne situation encore. Oh, laisse ça. Oh, c'est un buveur de ceci. Ceux qui vous donnent ces conseils-là, vous souffrez seul. Ils ne sont pas là, ils ne subissent, ils ne portent pas votre chagrin quand vous le subissez. Arrêtez. Et puis quand on est bon, on reste bon. Ce ne sont pas les conseils extérieurs qui vont venir vous changer. Il faut avoir une opinion personnelle. Moi, j'ai très peur des femmes qui n'ont pas d'opinion personnelle. Les femmes qui ne sont influencées que par l'extérieur. Elles sont très dangereuses, ce genre de femmes. Elles sont très dangereuses. Parce que je fais qu'une de ses copines dise, va faire ceci. Oh, mais regarde, il a épousé, il faut les empoisonner. Et puis on te met, on te donne le poison, soit le foie de la panthère, comme c'est souvent les gens chez nous en Afrique, et puis tu vas les mettre dans la... Parce que tu n'as pas une opinion personnelle. Une copine te dit de faire ça. Tu dis, ah non, non, non. Ce n'est pas le seul homme que Dieu a créé. Je trouverai un homme pour moi. S'il a choisi, tant mieux. Tu lui dis, c'est ma bonne chance. Et puis, la roue de l'histoire tourne. La roue de l'histoire tourne. Et puis, à un certain âge, on est censé être mature. Mais il y a des femmes qui ont des comportements comme des petites filles. Elles se voient encore des petites filles. Je vous dis une chose. Je vous parle en connaissance des causes. Tout le monde sait que j'ai été quelqu'un, j'ai connu beaucoup de femmes. Je ne m'en cache pas. J'ai connu ce qu'on appelle le succès féminin. Ce n'est pas là où j'ai vieilli, on ne me regarde plus. Mais j'ai connu des femmes. Et j'ai beaucoup appris avec les femmes. Et j'ai même étudié un ouvrage du professeur Pierre Dacqua. Cherchez ce livre-là. Le titre, c'est Comprendre les femmes. En dehors des conseils que j'ai reçus, de l'éducation traditionnelle que moi j'ai reçue dans mon village, que j'ai complété avec mes voyages à travers le Gabon et l'Afrique, j'ai complété donc ça avec ce livre-là du professeur Pierre Dacqua. Le titre, c'est Comprendre les femmes. Et le professeur Pierre Dacqua dit que l'homme est avantagé, mais la femme est handicapée. Et pourtant, c'est un blanc qui a écrit ça. Et pourtant, chez eux, on dit l'émancipation. On dit l'émancipation. Mais il dit que l'homme est avantagé et la femme est handicapée. Ça signifie quoi? Qu'il y a des avantages que l'homme a. Que la femme n'en a pas. La femme n'en a pas.
un homme va sortir une femme, il a une femme à la maison, il va commettre une infidélité, c'est pardonnable. Mais quand c'est la femme, ce n'est plus pardonnable. Ça devient un crime de lèse-majesté. C'est une société égoïste, mais c'est ça. C'est ça, la société égoïste depuis la nuit des temps. On essaye de niveler. Il y a tous les féministes là qui essaient. Mais on ne va pas changer le monde de manière fondamentale. Donc, porter la culotte à la place de l'homme ne fera pas de vous une bonne épouse. Et si cet homme vous laisse et il va choisir la dernière arrivée, c'est que vous avez un problème. Commencez par vous poser des bonnes questions. Pourquoi moi, qui connais cet homme avant, il ne m'a pas épousé, il épouse une qu'il vient de connaître, peut-être il y a 4, 5, 6 mois ou bien un an, alors que moi je suis resté avec lui, 6 ans, 7 ans, il ne m'a pas épousé. Est-ce que vous l'avez convaincu? Est-ce que vous l'avez convaincu? Posez-vous des bonnes questions, ne prenez pas des raccourcis. Même si vous pouvez mentir aux autres, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous savez au fond de vous que vous avez passé tout votre temps à être rebelle, aller en boîte de nuit, aller danser contre la vie du mari. Il vous dit que ce sont des milieux d'une grande vacuité qui ne t'aident pas à construire une idylle, à construire un couple. Mais toi, tu t'en vas. Et il y a d'autres qui disent même non, mais il ne m'a jamais doté, je fais ce que je veux. Ah bon? Il y a des femmes qui attendent d'être dotées, qui attendent d'être épousées pour être une bonne femme. Mais non, c'est une erreur. Il faut convaincre là d'abord. Il faut montrer que vous êtes différent des autres femmes. Il faut montrer que vous êtes la somme de toutes les bonnes et belles femmes que votre compagnon aura rencontrées tout au long de sa vie. Et que vous êtes le terminus. Parce que vous avez la beauté du cœur. Si vous êtes une femme, vous devez dire, je dois être la meilleure. C'est moi. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin de faire la chair de conscience dans sa famille. Et là encore, c'est même un point important. Il y a des femmes qui pensent qu'elles peuvent être en conflit avec son homme. Elle peut être en conflit avec son homme et être et respecter plus de vos parents. Mais non, c'est une erreur que vous commettez. Vous ne pouvez pas mépriser votre homme, respecter ses parents et espérer être épousé. Ce ne sont pas les parents qui t'épousent, c'est d'abord l'homme. Il faut chercher à avoir la protection de ton homme. Même si les parents ne t'aiment pas, si lui il t'aime, c'est ça, c'est suffisant déjà. Il va t'imposer à ses parents. Mais si tu penses que non, je dois faire la part belle d'abord à ses parents, et après, bon, lui, il peut rester comme ça. Et les parents vont influencer pour qu'il m'épouse. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Parce que ça ne marchera jamais. Et tu vas tourner toujours en rond là. Tu vas tourner en rond en disant, ah oui, mais pourquoi? Tu vas même commencer à penser que c'est la grand-mère qui m'a bloqué pour que je ne puisse pas me marier, mais je ne comprends pas. Parfois, l'homme va aller prendre une femme qui est moche. À ton détriment, il va aller prendre une femme qui est moche, qui n'est pas plus belle que toi, qui n'est pas plus insuite que toi, mais qui a un bon cœur. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Remettez-vous en cause. Remettez-vous en question surtout. Remettez-vous en question. La femme africaine a pris une mauvaise direction. Hier, source de fierté, aujourd'hui, elle devient un problème, un casse-tête. Après, vous vous étonnez pourquoi telle star est allée épouser
une blanche, telle est allée. Mais non. Mais l'Africaine qui était là a fait quoi? En dehors des femmes comme la femme de Étofis, qui a pu supporter l'homme dans les moments difficiles. Combien on peut citer aujourd'hui qui ont vu l'homme commencer à jouer sur du sable et dire, bon, c'est mon homme, je vais l'accompagner. Combien? Or, aujourd'hui, comme je l'ai dit l'autre jour, la femme ne respecte que l'homme qui a de l'argent. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Quand l'homme n'a pas. Mais la richesse, c'est clair. Vous pouvez aider votre homme à créer la richesse. Pourquoi prendre le raccourci? Le raccourci n'est pas le chemin le plus sûr. C'est le chemin le plus court, mais pas le plus sûr. Cette dame-là qui aurait empoisonné tout le buffet, là, vous pensez qu'elle devait être une bonne femme? Jamais elle n'aurait pas pu être une bonne femme. Rien que par son cœur. Parce que si quelqu'un fulmine, j'ai bien peur des femmes qui ne parlent pas. Je me méfie même. Parce que j'ai même découvert que les femmes qui ne parlent pas sont les plus grandes sorcières. Elles te font des coups auxquels tu ne t'attends pas. J'en ai connu. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai beaucoup d'expériences à partager avec vous. Pour que vous ne tombiez pas dans des trappes tendues par ces sorcières déguisées en amoureuses. Il faut se remettre encore. S'il y a quelque chose que je ne peux même pas me permettre de faire aujourd'hui, c'est de chercher à trouver un mari à une femme parce que je ne sais pas qui elle est. Et même vous, je vous déconseille. Même quand quelqu'un dit, trouve-moi une femme, commencez à réfléchir. Parce que ce n'est pas forcément. Il y a une Gabonaise qui a eu un problème l'année dernière. Elle est en France, elle a une copine au Gabon qui lui a dit écoute, tout le monde est blanc là-bas, ici, ça devient difficile. Et la Gabonaise avait l'ami de son compagnon qui était célibataire. Elle a contacté, il m'a dit tu n'es pas à la recherche d'une femme? Vous savez que dans certains milieux, et puis en France, on ne drague pas dans la rue n'importe comment. En dehors des Africains qui sont les attaquants de pointe, ils attaquent les filles en pleine rue, ils commencent à draguer, à démarrer, à criquer. Mais les blancs ne sont pas comme ça. Le blanc, tu vas avoir un petit sourire. Maintenant, si tu souris, c'est qu'il y a du répondant, il peut t'adresser la parole. Il y a d'autres qui souffrent, même si ils désirent une femme. Ils ne draguent pas. Donc, cette Gabonaise-là a vu le voisin pour lui dire, écoute, moi j'ai une soeur au Gabon, c'est une bonne femme, elle peut être une bonne épouse pour toi, tu ne peux plus être seul. Le gars a sauté sur l'occasion. Il a envoyé l'argent. La fille est venue. Et dès qu'ils sont arrivés, allez, mari et femme, le gars n'a même pas eu l'occasion de vérifier. Il procédait à des examens pour savoir si la femme était bien portante. Il est allé à balles réelles. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la fille était séropositive. Et la fille l'a contaminée. Il s'en est rendu compte trop tard. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté plainte aussi bien à la fille qu'à celle qui a trouvé cette fille-là. Je dis quelque part, si la fille avait mon avocat, elle allait s'en sortir. L'avocat avait dit, mais il lui appartenait à lui d'amener la nouvelle partenaire pour aller faire les examens. Pourquoi est-il parti à balles réelles? Quelle est sa part de responsabilité? Est-ce qu'elle était censée connaître la sérologie de sa copine? Donc, voilà des moments difficiles. Les gens peuvent traverser parce qu'on ne connaît pas les gens. Évidemment, il y a quelques exemples qui marchent très bien.
On peut trouver quelques exemples, les gens qui sont mariés grâce aux amis, parce qu'on connaît toujours une personne à partir d'une autre. Mais l'inconnu est un mystère, donc il faut beaucoup de prudence. L'inconnu est un mystère. Il faut beaucoup de prudence. La fille ne connaissait pas le cœur de sa copine, puisqu'ils se connaissaient sur Facebook. Mais elle avait mauvais cœur. Comment, se sachant malade, elle se savait malade, pourquoi est-elle venue contaminer le pauvre blanc? Donc, vous voyez le mauvais cœur? Elle n'aurait pas été une bonne épouse, même si ce n'était pas ça. Parce qu'elle avait déjà un mauvais cœur. Tôt ou tard, elle allait perdre cet homme. Parce qu'elle voulait coûte que coûte avoir un mari. Mais Marie, mais tiens compte de ta sérologie, dis aux gens clairement. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça s'est passé en Normandie, cette histoire-là. Je crois que c'est encore pendant devant les tribunaux. Donc, mes chères sœurs africaines, il faut se remettre en cause. Je ne dis pas que les hommes sont des modèles. Non. Nous n'avons pas 20 sur 20. Nous avons beaucoup de défauts. Je connais autour de moi. Moi, j'ai des défauts. Je n'ai aucune qualité. Je n'ai que des défauts que je tente de transformer en qualité. Mais quand une femme prend un homme, elle devient comme sa mère aussi. L'homme peut avoir même des défauts. Mais l'homme a la capacité de transformer la femme a la capacité de transformer son homme. Si l'homme aimait manger dehors, aimait aller manger dans les McDo, mais la femme dit, mais chérie, on est déjà là, je suis déjà là. Les McDo, c'est quand je n'étais pas là. Maintenant que je suis là, à midi, tu manges ici. Et vous allez voir que l'homme va commencer à changer ses habitudes. Mais sauf qu'il y a une manière de dire ça, de faire ça. Ne viens pas avec un bâton pour dire, écoute, tu m'as dit ça. À partir de jour, tu sais ça. Sois souple. Nos mamans avaient la manière de dire les choses pour obtenir des résultats efficients. Remarquez-vous, vous qui avez été élevé dans le cadre d'une union matrimoniale, vers 5 heures du matin, vous entendiez vos parents parlaient, surtout que nos murs, c'était des maisons, c'était pas des murs aussi épais. On entendait les parents parler. Parfois, on se disait, mais ceux-là aussi, on dort encore, ils parlent de quoi? La femme attendait le matin, au lever du jour, quand la mémoire de l'homme n'était pas encore saturée, pour lui soumettre une doléance. Et parfois, après avoir s'est occupé de son mari, le matin, après avoir donné le petit déjeuner dans la chambre à son homme, le petit déjeuner, comprenez, après avoir fait un massage body body, l'homme est très content, c'est là où nos mamans posaient des problèmes. Pour dire, bah, chérie, tel jour, il y a eu telle situation. Je n'ai pas apprécié ça. Est-ce que la prochaine fois, tu ne peux pas te prendre comme ça? Elle attend que l'homme soit apaisé. Parce que après le massage body body là, l'homme est déjà apaisé. Après le discours là, l'homme apaisé. Donc elle savait à quel moment poser un problème pour trouver des résultats attendus, escomptés. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais repartez au village. Discutez avec vos grands-mères. Si vous en avez, il y a forcément, même par alliance, il y a des grands-mères. Elles ont de l'expérience. Elles n'ont pas fait l'école comme vous. Mais elles connaissent beaucoup de choses. La bouche d'un vieillard sent mauvais, mais pas ses paroles. La bouche d'un vieillard sent mauvais, mais pas ses paroles. Mais vous vous contentez d'écouter seulement les coachs qui ne sont pas des modèles, des coachs qui t'alimentent, qui t'alignent. 5, 6 copains.
Le coach qui vient te dire, non, si ton copain te trompe, il faut que tu le trompes aussi, il faut qu'il sente sa douleur. Ah ouais? Vous pensez que vous avez les mêmes avantages que l'homme? Mais va. Peut-être que là où tu vas le tromper, c'est là où tu vas attraper le sida. Si tu te préserves, mais vous avez une maladie qu'on appelle l'hépatite B là. Tu peux aller attraper ça. Parce que le malchanceux trouverait toujours un os dans un plat de tripes. Le malchanceux trouvera un os dans un plat de tripes. Là, le coach t'a dit, non, ton copain t'a trompé, il faut que toi aussi tu le trompes. Pour qu'il sente sa douleur. Mais le coach, là, te fait du mal à toi. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton compagnon. Parce que le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Mais tu vas aller, mais après cet homme, on ne verra plus l'acte. On ne verra plus l'acte que l'homme a posé, l'infidélité de l'homme. C'est pour toi qu'on va regarder. C'est ton nom qu'on va amener partout. On va te traiter de bordel entre guillemets, comme on aime. C'est l'expression qui sort toujours de chez nous en Afrique. Voilà ce qui a ressort. Voilà ce qui en découle. Vous suivez les coachs. Mais ta grand-mère ne te dira pas ça. La grand-mère ne va pas te dire ça. Elle va te dire, ne suis pas l'homme. Vous savez, parfois nous les hommes, on a besoin de commettre beaucoup d'erreurs pour en apprendre beaucoup. On apprend beaucoup de nos erreurs. Parfois, l'homme va perdre la tête parce qu'il a trouvé une tigresse dehors. Il observe, il est parfois indécis. Mais après, il va se passer un événement là-bas. Il va se cogner la tête contre le mur là-bas. C'est là où il se rend compte que non, ma femme est finalement la meilleure. Ma compagne est finalement la meilleure. Et il revient, il devient doux à la maison. Tu vas voir qu'il devient même gentil, il t'entoure de cadeaux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé un incident dehors. Il s'est passé un incident dehors qui l'a assagi, qui a été une leçon pour lui. Parce que les conséquences corrigent mieux que le conseil. Donc, quand tu vois ça, il y a des périodes de flottement dans une vie. Mais si tu dis, bon, parce que il a trouvé une copine, moi aussi je fais autant, mais c'est toi qui es perdante. Or, parfois c'est un passage obligé, parfois c'est une erreur passagère. Après, il se rend compte, il revient, il oublie tout ça. Mais toi, parce que le coach t'a dit, ou le pasteur, parce qu'il y a certains pasteurs qui disent pas tout. Je ne dis pas tous, il y a quelques-uns qui ont des valeurs. Parce que le pasteur t'a dit non, ah, c'est pas l'homme qu'il te faut, c'est un démon, il est ici, il est habité par ça. Et puis tu vas. Mais tant pis pour toi. C'est toi qui laisseras des plumes. C'est toi qui laisseras des plumes. Donc, même les copines ne sont pas forcément les bons conseillers. Vous devez le savoir. Même les copines ne sont pas de bons conseillers. Le premier conseiller, c'est toi-même, ton cœur. Tu dois suivre ce que ton cœur te demande de faire. Un homme t'a laissé. Tu n'as pas planifié sa mort. Aller empoisonner tout un buffet pour que les mariés et les autres et les convives meurent. Ça, tu n'auras jamais la paix. Même si tu restes en liberté parce qu'on n'a pas pu te démasquer. Tu n'auras jamais de paix. Dieu ne te donnera jamais la bénédiction d'être heureuse dans un couple quand tu as détruit des vies. Ça, les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. On suit les blancs. Mais les blancs, ce n'est pas nous. Même les blancs, il y a des choses qui ne se font pas chez eux. Ça, c'est vu que vous ne le connaissez pas. Parce que j'entends les gens dire, oh non, les blancs, vous ne les connaissez pas. Ils ne font pas ça comme ça. Je prends la femme blanche. Quand elle est avec toi, la bonne femme blanche, quand elle est avec toi, elle ne te trompe pas.
parce qu'elles sont moins portées vers le matériel. Quand avec toi, c'est toi. Si elle te trompe, c'est que c'est terminé. Or, maintenant, qu'est-ce que l'on fait chez nous? On trouve le chèque, donc celui qui donne l'argent. On trouve le choc, celui qui est un bonobo, qui fait de longs métrages de 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et le chic, celui qui est beau. Quand il s'agit de cérémonies, machin, grandiose, on l'amène pour montrer qu'on a un bel homme. Mais avec ça, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Votre vie va tourner en rond. Et vous ne pourrez pas produire de bons enfants parce que vous n'avez pas de valeur à leur transmettre. Commencez par acquérir les valeurs, vous réapproprier les valeurs ancestrales pour avoir de bons enfants, pour avoir une société équilibrée. Parce que à quoi sert de jouer à la pentade orgueilleuse? Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Je vous l'ai dit l'autre jour. Les femmes représentent plus de 51% ou 53% de la population planétaire. Parfois, quand vous passez vous-même, je vois comment les filles se regardent. Hein. Parfois, vous avez des bus là. Quand il y a une qui vient d'arriver, tu vois comment l'autre la regarde. De haut en bas. Elle regarde comment l'autre est bâti. Parfois, il y a même des gars, j'ai vu des gars même à Libreville. Il dit à une fille, la fille fait le malin. Parfois, il a envie de la laisser vite partir parce qu'il voit une autre qui vient là-bas. Et donc, à partir de ça, comment faire l'orgueil? Comment jouer à la pétale orgueilleuse? C'est vous qui êtes perdante. Vous êtes perdante quand vous vous lancez sur cette voie de faire la guerre, d'être en conflit avec votre homme. Vous détruisez un pan de votre amour quand vous passez votre temps à être en conflit avec votre homme. Parce qu'il peut s'en foutre. Les femmes, ils peuvent en trouver facilement. L'homme se marie quand il peut. Et quand il a l'argent. L'homme se marie quand il peut et quand il veut. Ce n'est pas le cas chez la femme. Hein. Puis ce n'est pas vous qui allez proposer le mariage. Genre, chérie, je vais t'épouser. Non, c'est lui qui doit t'épouser. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Si lui n'a pas encore décidé, tu vas traîner là. Donc, commencez par faire profil bas, comme nos mamans. C'était des bonnes épouses. Elles n'avaient pas fait de hautes études. Même quand on fait de hautes études, on reste femme. Il ne faut pas que les études vous bouffent le cerveau. Il ne faut pas que ça vous amène à penser que vous êtes devenus des êtres surnaturels. Vous êtes des êtres formidables. Évitez de devenir minables. Comment on peut passer d'être formidable à devenir être minable? Non! Vous devez rester des êtres formidables et honorables. Or, ce n'est pas le cas. J'ai vu des gens qui m'ont dit, mais oui, les autres se marient, toi tu ne te maries pas. Ah ouais? Moi, je vais me marier. Je vais me marier quand toutes les conditions seront réunies. Parce que ma situation, ce n'est pas une situation à prendre à la légère. Je tiens compte de tout ça. Je suis quelqu'un de très rigoureux. Je ne veux pas une femme tombée du ciel qui a toutes les qualités. Je ne veux pas Miss Univers. Mais je veux une femme qui accepte au moins d'être façonnée. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été encadré par toute une société. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de l'éducation que j'ai reçue, multiforme que j'ai reçue. En pays Kisir, en pays Pygmé, en pays Tsogo, en pays Fa, en pays Nzébi, je prie quelque chose à chacun. Et j'aimerais avoir cela pour que mes enfants soient les reflets d'eux-mêmes et que ce soit les fiertés. Mais pour ça, il faut avoir une femme qui accepte d'être façonnée. Mais celle qui dit que non, moi je ne vais pas changer, je suis comme ça prend ou à laisser. Ah ouais? Apprendre ou à laisser? Tu connais le nombre de femmes qui sont dehors, qui sont seules? Tout le nombre de femmes qui n'ont même pas un copain. En France, les filles sont obligées de s'inscrire sur le plan cul. Il y a des sites qu'on appelle plan cul. D'un soir. Mais ça, là, ce n'est pas ton homme à toi. Le plan cul, là.
excusez-moi l'expression, ça ne peut pas, c'est comme l'eau que tu as commandée, ça ne fait pas cuire le repas. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. Donc tu vas aller t'inscrire sur les sites de rencontres là, des plans cul, mais tu as donc quoi? Et même sur les sites de rencontres, tu trouves plus des bandits qui veulent goûter à toutes les femmes, surtout quand vous êtes une femme black, et elles ont la réputation d'être des tigresses. Donc même cet homme-là vient là uniquement par courtoisie, par curiosité, allais-je dire. Et ils vont vous amener où? Ils vont vous amener où? Nulle part. Et la femme est comme une fleur. La femme est comme une fleur. Une fleur. Aujourd'hui, j'en ai acheté là. J'en ai acheté. La femme est comme une fleur. Une fleur, c'est bien qu'elle fane. Quand on l'a déjà acheté, on l'a mise soit au salon ou bien au jardin. C'est bien comme ça. Mais si la fleur fane depuis le magasin, aucun client ne la prendra. Aucun client ne va acheter une fleur fanée, moi je suis tombé sur beaucoup de fleurs aujourd'hui. J'ai vu même des arbres, j'ai vu des bananiers, j'ai vu toutes sortes de fleurs, j'ai vu même, j'ai acheté même une fleur ça porte des fruits, les mandarines là. C'est planté, ils prennent la terre de la Méditerranée qui vient du Maroc et d'autres pays du Maghreb, là, l'Afrique, ils plantent là les pots, ça a même donné des fruits, cela. J'aurai l'occasion de vous montrer ça. Donc, je plante, c'est dans un pot, ça va pousser, ça a donné des fruits, chaque saison, ça a ça. Je pourrais au moins manger quelques fruits. Mais j'ai payé cette fleur-là parce qu'elle n'avait pas encore fané. Il y a d'autres à côté qui avaient déjà fané, qui s'étaient étiolés. Je ne pouvais pas les prendre parce qu'elle avait déjà fané. C'est comme une femme. Tu dis toujours, l'homme de ma vie n'est pas encore né. Oh, Dieu me donnera mon homme. Dieu m'enverra. Mon mari, c'est Jésus. Ah ouais? Jésus me trouvera un mari. Ah oui, Jésus, dans son pays où il y a 66% des célibataires, allez-y vous renseigner. Il faut vous renseigner. Donc Jésus, s'il revient là, il ne va pas trouver d'abord régler le problème de 66% des célibataires dans son pays. C'est d'abord toi qui es gabonaise. Donc Jésus va penser d'abord à toi. Il va penser à toi qui es camerounaise. Il va penser à toi qui es congolaise. Il va penser à toi qui es malienne, toi qui es sénégalaise. Ça ne va pas. Mais réveille-toi, femme. Réveille-toi. Tu as quoi d'exceptionnel? Sois différente de par ta douceur, de par la beauté de ton cœur. Seule ta bonté va retenir l'homme. Tu peux aller à l'église, aller suivre tout. Et encore, même quand vous allez à l'église, vous écoutez plus le pasteur. Vous arrivez à l'heure à l'église. Mais vous n'êtes jamais à l'heure dans vos foyers. Vous n'êtes jamais à l'heure. Vous prenez tout votre temps. C'est ça là que vous cherchez le mariage? C'est avec ça? Où l'homme te parle, quand il est à A, toi tu es déjà à D. Quand il arrive à D, toi tu es déjà à N. C'est ça? C'est ça l'émancipation? Non. Vous trompez. Il n'est pas interdit de se tromper. Il n'est pas interdit de se tromper. Il est interdit de persister dans l'erreur. Il est interdit de persister dans l'erreur. Améliorez-vous chaque jour. Chaque jour passé est un brouillon à mettre propre. Dites-vous cela. Chaque jour passé, c'est une expérience, mais c'est un brouillon que vous devez renouveler pour le mettre propre le lendemain. Il faut que le jour qui suit soit différent du jour. Mais il ne faut pas que les jours passent et se ressemblent. Posez-vous des bonnes questions. Je vous assure que le sorcier peut tout faire. Le sorcier peut tout faire. La tante peut bloquer ici. La rivale
ta mère peut faire cela pour que ce soit seulement ses enfants qui puissent se marier. C'est faux. Si Dieu a dit et t'a doté de mon cœur, tu as un bon cœur, tu trouveras ton homme. Tu seras dans un foyer épanoui. Ce qui arrive à l'autre peut arriver. Pourquoi? Mais c'est le cœur. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. La porte centrale du mariage est ouverte par le cœur. C'est une seule clé. Ça ouvre toutes les chambres du mariage. Le salon, la cuisine, c'est le cœur qui ouvre ça. Quand tu auras compris ça, la vie sera simple. Et quand tu as une expérience amoureuse, va jusqu'au bout. Ne t'appuie pas sur les expériences des autres. Chacun de nous est différent. Nous sommes très différents. L'être humain est unique. Même les grands scientifiques vous le diront. L'être humain est unique. C'est pas parce que l'autre a subi ça que toi tu as subi ça. Ce ne sont pas les mêmes personnages. Ce ne sont pas les mêmes circonstances. Nous réagissons différemment devant les événements. Nous réagissons différemment devant les événements. Nous n'avons pas les mêmes chances. Nous n'avons pas la même destinée. Chacun de nous a sa destinée. Pourquoi voulez-vous vous appuyer sur l'expérience de l'autre? Oh, parce que l'autre, moi, je ne sais pas. Ah non. Vous n'avez pas le même cœur. Même dans une famille, on n'a pas le même comportement. J'ai discuté avec une amie du Burkina Faso, dont le comportement est différent. Son attitude est différente. Est différente de celui de sa grande soeur. Ils sont même pas même mère. J'ai dit, tu vois qu'on peut être même jumeaux et ne pas avoir le même comportement. C'est ça aussi la différence. On dit, l'être humain est unique. Même jumeaux, on peut être très différent sur le plan comportemental. Sur le plan des envies, pourtant, il y a des jumeaux qui sont comme des gouttes d'eau. Mais quand vous voyez, chacun a sa manière d'être. Et nous réagissons de manière différente devant des événements, des situations. Devant des événements exceptionnels, les humains se montrent comme il convient de se montrer. Ça, les gens n'ont pas compris ça. On va passer tout le temps. Et après, on ne comprend pas. On en veut à la planète toute entière. On devient aigri. Parce que c'est ça. On n'arrive pas à écouter, à comprendre les leçons de la vie. Parce qu'elles paraissent parfois très difficiles. Il y a des cours, les cours de la vie paraissent abscons parfois, alambiqués, je comprends. Mais il faut s'y mettre. Et ne pas dire, j'ai tout le temps, oh Dieu, Jésus va m'envoyer. Non, c'est toi-même d'abord. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc vous qui vous appuyez derrière Dieu là, les églises là sont pleines de vieilles célibataires qui ont été incapables parfois de tenir dans un foyer. Elles pensent que Dieu a fait le miracle. Mais elles meurent désespérées parce que celui qui vit des désirs meurt désespéré. Celui qui vit des désirs meurt désespéré. Il faut que les événements que vous subissez vous transforment positivement. Il faut que les événements que nous subissons au quotidien nous transforment positivement. Cela peut nous transformer négativement. Parce que tu étais dans une expérience qui a mal marché et tu reviens maintenant, tu deviens désagréable dans la nouvelle expérience amoureuse, par exemple, que tu veux mener. Mais tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal à celui qui est là. Donc, vous devez comprendre cela. Quand vous aurez compris ça, on évitera ce qui s'est passé au Cameroun. On évitera ce qui s'est passé au Cameroun. Que je condamne. En tant qu'humain, je ne peux pas tolérer ça. Rien ne doit justifier une telle méchanceté. C'est méchant. C'est plus que criminel de faire ça. En sachant que seul le cœur retiendra l'homme. Ce n'est pas vos facettes que vous faites là. Ce n'est pas vos prises de judo que vous faites au lit là, à l'homme, machin là. Ça, toutes les femmes font ça. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes font bien l'amour, toutes les femmes font un effort d'être instruites, toutes les femmes font un effort de trouver du travail. Mais c'est la bonté du cœur qui attire les femmes.
Et il faut réagir différemment devant les événements. Il faut changer. Quand vous aurez compris ça, vous allez aller plus loin. Les humains se montrent comme il convient de se montrer. Mais généralement, on agit de manière différente. Et il faut avoir cette cuirasse assez solide pour supporter certains événements. Il ne faut pas que la vie devienne une chicotte qui vous laisse des séquelles. Parce qu'après, vous n'allez pas vous en sortir. Dans un homme, il y avait un homme. Dans ce village, il y avait un homme. Un homme qui avait des qualités. Il avait sa soeur qui avait fait beaucoup de filles. Tout était parti presque en mariage, mais il y a une seule qui n'allait pas en mariage. Les relations ne duraient pas longtemps. Elle a commencé à soupçonner tout le monde. Elle a commencé à accuser tout le monde. Les grands-mères, les oncles, les tantes. Elle voyait tout le monde à l'origine. Sans savoir que c'était elle qui ne comprenait pas les leçons de la vie. Cet homme s'appelait Mbina. Alors donc voilà un jour, sa nièce arrive au bord de la dépression. Pour venir voir son oncle, pour dire, tonton, je suis fatigué. Je suis fatigué de la vie. J'ai décidé de me suicider. Et pendant qu'elle parlait à son oncle, la femme de son oncle, Marumbu, était à côté. Là, tu as décidé de te suicider, oui. Pourquoi? Oh, parce que je ne comprends pas les choses de mon corps. Rien ne marche. C'est compliqué. C'est compliqué. La vie est trop compliquée. Je préfère mourir. Mbina l'a prise par la main. Elle a amené à la cuisine avec sa femme Marundu. Elle a dit à Marundu, dit, sors des œufs là. Marundu a sorti des œufs. Et après, elle a dit, sors aussi des carottes. Et Marundu a sorti des carottes. Dit, sors-moi du café noir là. Marundu a sorti du café noir. Elle dit, alors, fais trois feux. Elle dit, Marundu, allume trois feux là. Il y a le bois à la main. Et c'est comme ça que Marundu a exécuté devant la nièce qui était venue, toute désespérée. Elle dit, bon, mets une marmite, chauffe de l'eau. Dans une marmite, Marundu a mis l'œuf. Dans l'autre, elle a mis la carotte. Et dans l'autre, elle a mis le café. Et au bout de 20 minutes, Mbina dit, arrête le feu, fais descendre ça. Et elle a fait descendre. Ça s'est refroidi. Et Mbina a dit à sa nièce, il dit bon, touche l'œuf. Et enlève l'emballage là, la peau là, décortique l'œuf. Et la nièce a décortiqué, enlevé, pour ne garder que
la partie qu'on consomme, là, qu'on mange. Et c'est comme ça qu'elle a dit à Agnès, qu'est-ce que tu as remarqué? Agnès a dit, tonton, j'ai remarqué que l'œuf est dur. Elle a dit, est-ce que l'œuf là, quand ta tante Marundu a mis au feu, est-ce que l'œuf là était dur? Dis non. Bon, touche la carotte. C'est comme ça que la nièce a touché la carotte. Après avoir touché la carotte, elle dit, bon, comment tu as trouvé la carotte? Elle dit, elle est molle maintenant, elle est molle. Elle dit, bon, le café, regarde le café. Quand on a mis le café, comment? Elle dit, l'eau était claire, et après là, le café a dilué toute l'eau, et l'eau est devenue noire. Alors mon binet a dit, tu sais ma nièce, ça veut dire quoi? Que devant les événements, on peut subir la même situation et en ressortir différemment. L'œuf était fragile quand je l'ai mise, quand ta tante l'a mis au feu, l'œuf qui était fragile, qui pouvait se casser rien qu'en tapant d'une chiquenarde, c'est devenu dur, tu as vu? Dis oui, tonton. Ok. La carotte était très solide au départ. Tu as vu quand on l'a chauffée, tu as vu comment elle est devenue tendre, molle, fragile. Dis oui. Et dit, le café qui était faible au départ, tu as vu comment le café a changé l'eau. L'eau qui était claire, tu as vu comment l'eau est devenue noire. Eh oui. Et tu vois, chacun a sa manière de... On peut subir les mêmes choses, la même situation, et en ressortir différemment de cette situation. Tu ne sais pas t'y prendre. Tu ne sais pas. Les autres femmes subissent ce que tu subis. Mais elles ont un moral. Toi, tu veux te suicider. Tu subis des situations, tu les vis maintenant vulnérables, très fragiles. Tu as vu comment l'œuf qui était faible, qui pouvait se casser facilement, devenu dur. Oui. Et tu as vu le contraire qui s'est produit avec la carotte qui était solide, qui était dure. Comment elle est devenue très molle, très fragile. Je dis oui. Tu as vu le café. Comment le café a transformé l'eau. L'eau qui était claire est devenue maintenant noire. Après la couleur du café. Tu as vu. Je dis, mais toi, quand tu vas chez les hommes, là, tu dis que ça ne marche pas. Est-ce que tu as cherché à transformer l'homme? Toi, tu cherches à attendre un homme qui tombe du ciel avec toutes les qualités, alors que tu peux aussi te fabriquer ton homme à toi, comme le café a changé. Le café a eu le pouvoir de changer l'eau. Mais toi, tu peux changer aussi ton homme. Mais tu attends. Tu penses que toutes les femmes qui sont dans les foyers là, tu penses qu'elles ont trouvé des hommes qui ont 100% sur le plan comportemental, qui ont 20% et qui ont 20% sur 20 sur le plan comportemental. Alors répare. Te suicider n'est pas une solution. C'est toi qui t'y prends mal. Prends-toi comme le café. Change autour de toi. Tu verras que les choses iraient mieux. Si tu étais fragile comme l'œuf, les situations que toi tu traverses doivent te rendre dur maintenant comme l'œuf. L'œuf avant d'être dans l'eau, avant de plonger cet œuf-là dans l'eau, tu as vu que c'était fragile. Et tu as vu que quand on l'a chauffé, tout le monde n'a pas eu le même résultat. L'œuf est devenu solide, la carotte est devenue fragile, et le café a transformé l'eau. Tu as vu? Il dit, oui, tonton, j'ai compris. Et elle est partie, et dès qu'elle a appliqué les conseils de son oncle, elle a fini par trouver un bon mari. Parce que c'est elle qui ne comprenait pas les leçons. C'est pourquoi il faut être très patient. Il faut aussi être très observatrice quand vous êtes une femme. C'est ce qui fait la différence entre l'homme et la femme. La femme a cette capacité de recul. Enfin, nos mamans. Parce qu'aujourd'hui, ça devient une qualité difficile. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et passez une excellente soirée. À demain, si Dieu le veut. Thank you.
Donc on dit même bien, donc il y a qu'à la replique, et on me s'appuie à la vie.